Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des horaires des navettes du resort à Disneyland Paris. Juste avant ça, en cliquant sur l'image qui est juste là, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Vous aurez vraiment tout regroupé pour accéder aux meilleures stratégies, ça fait vraiment la différence. Alors, les horaires des navettes du resort. Alors, j'insiste bien, cette vidéo, je parle des navettes du resort, c'est-à-dire des navettes des hôtels qui sont à l'intérieur de Disneyland Paris. Donc, à savoir le Santa Fe, le Cheyenne, le New York, le Sequoia, le Newport Bay Club et dans le Disneyland Hotel, il n'y a pas de navette. Et aussi pour le Davy Crockett Ranch, il n'y a pas de navette. Donc, ces navettes, elles se prennent à la gare des bus. Voilà, elles se prennent à la gare des bus, donc la gare des bus qui est juste à côté de la gare de Chessy. Donc, évidemment, elles se prennent à la gare des bus. Quand vous allez du parc vers votre hôtel, et elles se prennent devant votre hôtel quand vous allez de l'hôtel jusqu'à l'entrée du parc. Donc ce sont des navettes qui sont jaunes, donc elles sont très facilement reconnaissables, elles sont jaunes contrairement aux hôtels partenaires où elles sont violettes, sauf pour le Radisson où en tout cas il y a un an et demi elle était blanche et bleue, donc je pense qu'ils l'ont peut-être repeinte depuis, mais je pense pas, donc elle doit toujours être blanche et bleue a priori. Donc ces navettes sont jaunes. La semaine dernière, j'ai reçu une question d'une personne qui me disait « Voilà, on arrive tôt à la gare de Chessy, est-ce que tu peux me dire à quelle heure débute le tour des navettes du resort ?» Et justement, je croyais savoir, en fait je ne le savais pas, ça a un petit peu changé je crois, et donc maintenant c'est de 6h30, hein, donc c'est marqué sur le site officiel de Disneyland Paris, hein, donc je n'invente rien, c'est de 6h30 à 23h, c'est-à-dire que de 6h30 à 23h, les navettes tournent. Voilà, donc j'imagine que quand Disney Dreams termine plus tard, ce qui n'est pas le cas, enfin ça sera le cas cet été, puisque le plus tard que ça termine c'est 23h pendant l'été, j'imagine que c'est un petit peu décalé vers minuit. Mais quand Disney Dreams actuellement, je crois que actuellement le parc ferme à 19h, évidemment c'est jusque 23h. Donc voilà, donc les navettes du resort, les navettes jaunes qui se prennent à la gare des bus HSI, tournent de 6h30 à 23h. Voilà, donc elles sont disponibles pour tous les hôtels. Pour tous les hôtels à l'intérieur du resort, à l'exception du Davy Crockett et du Disneyland Hotel. Pour moi personnellement, je prends rarement ces navettes. Maintenant, je dois avouer qu'elles ont une grande utilité pour le Santa Fe et le Cheyenne parce qu'ils sont quand même loin. Maintenant, pour le Sequoia et le Newport Bay Club, c'est à vous de voir. Moi, je les prends pas quand je suis au Sequoia et le Newport Bay Club parce que je trouve que la promenade du lac est agréable. Maintenant, c'est certain que quand on rentre, qu'on est fatigué avec des enfants, surtout avec des enfants, ça peut être très agréable. Faut voir que le soir après Dreams elles sont souvent bien pleines. Et par contre concernant la navette du New York, alors là j'en vois pas vraiment l'utilité parce que bon ben très honnêtement le temps de sortir du Disney Village, d'arriver à la gare des bus, c'est quasiment le même parcours que pour rentrer dans le New York. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui, donc de 6h30 à 23h, on se retrouve demain pour la prochaine, salut.